Et salut tout le monde, c'est Jérém, on se retrouve pour le 27e épisode de ma saison 3 de Fist of Beast. Alors dans cet épisode, je vois qu'il y a quelques soucis, on va essayer de les régler. En fait là ça fait je crois 2 ou 3 jours que j'avais pas fait tourner la map sur le serveur, donc là je l'ai remise en route. Bon, enfin je l'ai remise en route il y a quoi, il y a à peu près une heure, le temps de tourner des épisodes d'autres trucs. Et ici, pourquoi les harvesters marchent pas? Parce qu'elles sont pleines. Pourquoi elles sont pleines? Normalement c'est pas normal. Ça veut dire que j'ai un souci dans ma compact machine. Alors peut-être qu'il faut réamorcer le bordel, je sais pas trop. On va aller jeter un œil. Voilà les petites maintenances. Alors, toujours des petits lags. Donc là ce que j'ai fait, c'est que je fais tourner sur Action Mirallis au lieu d'XSplit. Et par la suite, je pense que je suis quand même quasiment sûr, j'investirai dans un boîtier d'acquisition. Vu que j'ai un deuxième PC, je pourrais directement capturer depuis l'autre PC, comme ça toutes les performances de Minecraft seront dédiées. Enfin toutes les performances de l'ordi pardon seront dédiées à Minecraft. Du coup, ouais, il faut le personnel truc machin pour rentrer dans la fin du bordel. Alors pourquoi? Récif item. Ah. En tout cas je rame comme c'est pas permis hein. Je sais pas comment ça se fait mais... Ok, il y a un problème. Là il y a... Déjà on voit qu'il y a des bugs hein. Ici qu'est-ce qui se passe? What the... Pourquoi il y a du sable là-dedans? Pourquoi le sable arrive là-dedans? Sortie marron, il n'est pas censé y avoir du sable dans la sortie marron. Il n'est pas censé y avoir du sable là-dedans. Ouais, je comprends pas. Comment le sable a pu... Parce que lui, normalement, il est censé prendre que ça. Enfin, il est censé prendre que... cette sortie là. Celle là. Ouh, il y a des soucis là. Il y a des soucis. Ouais, je comprends pas comment ça se fait que le sable est là. Parce que j'avais... oui, j'avais demandé beaucoup de sable pour l'induction smelter. Ouais. Alors j'ai automatisé le sable. Qu'est-ce que j'ai... J'ai dû me planter quelque part. Parce que j'ai une machine voilà, qui fabrique du sable ici. Et lui normalement il est censé aller directement dans le coffre ici. Il est pas censé remonter là puisque là c'est en orange. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Bon, désolé pour ce petit contre-temps, mais inquiétez pas, on va avancer. Hein. Juste le temps voilà, de vider ça. Ouais, parce que... Mais ouais c'est curieux. C'est vraiment curieux. J'ai un fort un peu du mal avec ce truc de cliquer. Là. Ouais. En tout cas, ouais, je comprends pas comment ça a pu arriver là. Bref, au moins ça c'est réglé. Du coup, ça va mettre du temps avant de se remettre en route. Normalement, il y a des speeds. Je crois qu'il y a des speeds ici. Je sais plus où pour ça. Ça charge plus rapidement. On a encore du sable. On a encore du sable. Non là j'avoue que je comprends pas. Le seul qui rentre c'est le marron. Là il est du orange. Ah. Ok. Je comprends mieux l'histoire. C'est lui. Ok. Donc lui on va le mettre en... Pas en orange parce que sinon il va nous embêter. On va le mettre en... jaune. Voilà. Jaune normalement j'ai pas. Ok. Ah je me disais bien donc c'est ouais c'est lui qui était en marron et du coup il a amené les trucs ici. Ok bon bah ça c'est réglé. Vous voyez comme je disais voilà système assez complexe mais on arrive à s'y retrouver justement avec les channels donc ça c'est plutôt cool.
Bon voilà, du coup maintenant ça va de nouveau se récolter. Donc voilà, comment constater les problèmes et comment les résoudre. Donc maintenant on va pouvoir passer à la suite des choses, à savoir Forestry. Donc là on va voir le tout début ensemble. Je vais faire un épisode complet parce que là j'ai du coup pris pas mal de retard sur les épisodes. Alors tout simplement parce que pour ceux qui regardent les vidéos de Factorio, vous avez pu voir que j'ai fait une petite pause sur ma saison 3. Et du coup c'est pour avancer un peu plus sur Minecraft. C'est vrai que du coup je poste un épisode de Minecraft tous les deux jours et ça fait que j'ai pas mal de choses à préparer. Toujours est-il que on va s'occuper de Forestry. Pour ça il va falloir qu'on récupère des abeilles. Alors des abeilles déjà, j'avais des abeilles qui m'intéressaient, qui seront plus tard pour faire des transmutations, je sais pas quoi. Qui sont en bas au niveau du réacteur. Alors je pense que pour les plus curieux, vous avez pu la voir. J'ai laissé, voilà, ici, on a une Rocky Hive, je crois qu'elle s'appelle, voilà, Rock Hive. Et ça, pour les récolter, bon, on va faire, il faut un item spécifique. Donc on va aller dans Forestry. Forestry qui propose pas mal de choses, mais on va commencer, voilà, par les abeilles. Par la suite, je ferai un système automatisé. Par contre je peux pas les déplier au truc. On va mettre arrobas forestry, ça sera mieux. Ah non, ça change rien. J'ai vu qu'il y avait plein de machines, alors je les connais pas. Donc je verrai ça, j'essaierai de me renseigner en regardant des tutos. Toujours est-il que voilà, là pour commencer on va faire quelques ruches dans différents biomes, histoire que les abeilles commencent à produire des choses tout simplement. Et donc pour ça voilà, on a déjà fait le squeezer qui nous avait permis de choper de l'acide oil. On a un tank, deux tanks pleins de sweet oil. Il va nous falloir une centrifuge et je crois qu'il faut un carpenter aussi. Si je fais pas de bêtises pour faire les hives. Mais déjà, woven silk. Non, c'était pas ça. Ça c'est pour faire l'armure. L'armure de forestry. Moi ce que je veux c'est. Le truc qui permet de récolter les ruches. C'est une espèce de filet. C'est ça. Le scoop. Hein, voilà. Alors le scoop il faut quoi? De la laine et des sticks. Okay. Et déjà avec ça on va pouvoir récolter. On va pouvoir récolter des abeilles. Et le truc des abeilles c'est. On peut pas les mettre n'importe où. Alors là il m'en faut. Bon, on va en faire. Allez, on en fait 12. On est des ouf, on est comme ça nous. Je sais plus combien il m'en fallait, mais bref. Du coup, oui, d'ailleurs, on va plus les mettre là-dedans. Hop, voilà. On a notre scoop ici pour aller récolter la ruche. Bah déjà, on va récolter celle-là. Donc là, il suffit de la récolter avec le scoop. Et on récupère une Rocky Princesse. Alors là, j'ai pas eu de... J'ai eu que la princesse, j'ai pas eu les ouvrières. En fait il faut dans les hives, il faut combiner la princesse, une princesse et une ouvrière pour pouvoir créer une reine. Et la reine va nous générer des items. Alors là le problème c'est que Rocky, bah il va falloir il faut creuser en fait pour les avoir. Alors je sais qu'avec une query on peut elle les récupère automatiquement. Après je sais pas si on peut les récupérer avec le digital mineur. Ouais je regarde. Parce qu'à la limite que des Rocky j'en aurais besoin. J'aurais dit qu'on va essayer d'en choper une autre. Si j'arrive à en trouver dans les. Bah idéalement voilà dans ce biome là, comme ça on pourra mettre directement les ruches de ce biome. Ah bah voilà, là il y en a une. Donc c'est modeste. Bah modeste en plus j'en aurais besoin. Hop. Voilà, et là vous voyez qu'on a récupéré, on a même récupéré un parchet de combe. Alors le parchet de combe, on va regarder l'utilité. On peut faire donc un chest apiary, c'est pour stocker je crois les combes, enfin, tout ce qui est produit d'abeille. Bee house, c'est ça qu'on doit faire d'ailleurs je crois. Pour que les abeilles puissent machiner et... Ah oui non, ça c'est pour les stocker. Voilà, là dans la centrifuge par exemple. On peut voir qu'on peut récupérer du beeswax et du honey drop. Et sachant que le beeswax on peut en faire ouais, des torches, wax machin. Du fil, y a quoi d'autre? Wood polish. Ouais, j'ai pas l'impression qu'on puisse en faire grand chose. On peut faire du bougie.
Ah, on peut faire les WAPS capsules qui vont nous permettre de stocker, c'est des capsules de forestry qui vont permettre de stocker certains liquides, par exemple le miel. Et je crois que c'est à peu près tout ça, je sais pas du tout à quoi ça sert, c'est pour baisser transport, je connais pas plus que ça du craft. Donc voilà. Toujours est-il que voilà, c'est certains matériaux, donc là c'est des matériaux basiques, du coup c'est pas ce qui nous apportait le plus. On va essayer d'en choper une autre dans la savane. Ce serait cool. Alors est-ce que je peux choper, tiens, on va voir sur le... sur lui. Est-ce qu'on peut choper des... alors comment c'était déjà? C'est les hives. Si je mets Rocky, ça marche ou pas? Non. C'était quoi? C'était bien hive. Non. Ah, puis là on peut pas voir le... Ah, il y a peut-être pas de ordic là-dedans. Ouais. Peut-être qu'on peut pas les choper tout simplement. Ça m'aurait bien arrangé quand même. Pical, marche, ouais. Après il y a aussi extra vie qui permet d'avoir d'autres ruches. Ouais, bah faudrait que je me renseigne là-dessus, ou alors je ferai une query ou un truc pour pouvoir récupérer des rookies, des abeilles de roche. Alors pourquoi je prends des abeilles de roche? Tout simplement parce que on a des abeilles donc qui sont plutôt intéressantes, car elles vont nous donner des matériaux rares, et en fait on peut les combiner avec les rookies. Tout simplement qu'elles se nourrissent de rochers, parce qu'à savoir que quand on pose des ruches, il va falloir mettre autour soit des fleurs, enfin selon voilà de quoi elles se nourrissent, il va falloir mettre des choses autour pour qu'elles puissent se reproduire et donc recréer des items. Alors là je suis allé un peu loin par contre. Bon, toujours est-il que là on a deux drones, voilà c'est les drones qu'il nous faut, et les deux princesses, Frisane et Ignoble. Ok. Bah déjà, on va se faire les deux hives dont on a besoin. On va retourner devant la base, on va les faire à côté, parce que de toute façon là c'est des abeilles de savane. Mais c'est vrai que les rookies, ça m'aurait intéressé déjà de pouvoir en mettre. Alors après je sais plus si on peut combiner les rookies avec d'autres drones. Faut voir. C'est vrai que là la Rocky princesse... Botte drone. Ok, il y a un mode qui m'embête. Ça se dégage. On va dormir. Je vais prendre le sac de couchage parce que là j'ai pas mal dehors pour forestry. Là il y a un problème. Pourquoi il m'a fait trois enregistrements différents? What the fuck. Bon, je fais une petite ellipse, je reviens. Ok, désolé, bon, c'est toujours la même bêtise, c'est que j'appuie sur la touche étoile du Digital Miner. C'est vrai que j'avais pas pensé, vu que je suis revenu sur Action Mirilis, la touche étoile, ça permet de couper la record. C'est pour ça que, du coup, il manque une petite séquence, mais bon, c'est pas très grave. On va continuer, donc on va faire, voilà, les hives, alors... Non, c'est les apiaries qu'il faut faire. Pour ça il faut un imprégnated casing, et pour faire l'imprégnated casing il faut un carpenter avec des bûches. Donc on va faire un carpenter. Alors le carpenter qu'il faut relier à l'énergie, mais j'ai de l'énergie dehors donc il n'y a pas de souci à ce niveau là. Alors le carpenter il est là. Il faut un sturdy casing avec du bronze. Je vais me faire une table de craft, j'ai l'énergie carrée, je vais juste récupérer des câbles. Alors au niveau des câbles, par contre je me souviens plus de la consommation. Parce que ceux-là c'est du 640 RF par tick. C'est ce qui arrive au... On va prendre ceux-là, de toute façon j'ai pas trop le choix. Pour l'instant, parce que ceux-là, bon 20 000 RF c'est beaucoup trop. Pourquoi j'ai une danse énorme? Ah oui, c'est le truc d'Applied.
Du coup, peut-être prendre un Energy Acceptor aussi pour stocker les trucs de foresterie. On va se faire un petit système ME tout simple. Normalement, j'ai un ME chest. Voilà, on va prendre le ME chest. Crafting terminal, ouais, on va prendre aussi. Et on va se faire les glass cables. Je peux pas faire autant en fait. On va en faire 10. On va en faire 10, ça suffira. Avec le craft que j'ai modifié. Pour mettre voilà les pure flux cristal tout simplement parce qu'avec un flux cristal on a deux pure flux, du coup voilà ça économise le truc. Alors c'est peut-être un petit peu plus long du coup, mais bon ça va avec l'advanced crystal chamber, c'est quand même assez rapide. Voilà, comme ça on va se faire un petit système applied en bas. Donc on a le tesseract qui nous fournit en énergie. Alors par contre ces énergies conduits ouais je pense que je devrais faire plutôt les tiers 2. Alors est-ce que j'ai encore de l'énergétique alloy? Oh oui j'en ai plein, ok. On va faire les tiers 2 plutôt. On va faire les tiers 2 et donc il me faut du conduit binder. Ah, conduit binder par contre j'en ai plus. Ça c'est embêtant. Voilà, pour avoir du 5000 RF, histoire d'être peinard pour Forestry. Je pense que ça pourrait être pas mal. Ouais, du coup. On va faire le binder composite. Ah, j'ai pas de gravier, c'est sérieux. Pas de gravel. Et bon on va en faire une centaine. On va en faire ouais, parce que je vais avoir besoin de voilà. Et normalement de la clé j'en ai mais sous forme de bloc puisque je la fais avec ah oui c'est vrai qu'il faut la casser ou la pulvériser. Ah, on peut pas la pulvériser? On peut la crocher sinon non? Ou l'enrichir? Enriching. Voilà. Voilà, avant qu'il récupère tout. Pendant que mon téléphone sonne, on verra après. Donc du coup j'ai vu ça faisait à peu près un quart d'heure. Alors je pense que cet épisode sera un petit peu plus court. Voilà, le temps de mettre les premières ruches en place, d'avoir un système qui tourne. Et puis bah, on verra un peu plus tard. Voilà, le problème c'est que j'aurai pas le temps pour faire ça. Je vais voir comment je m'y prendrai pour la suite. On va faire beaucoup de binder composite par contre. Hop, voilà. Ouais, du coup, il faudra quand même que je revienne sur la saison 3. Je l'avais un peu mise de côté parce que avec Robiz on a démarré un Skyblock et du coup. Enfin, on était pas mal sur Skyblock, mais là je pense que ouais, je vais laisser la tournée à saison 3 pendant quelques jours histoire. Histoire d'avancer un peu, surtout avec Forestry, il va y avoir besoin de pas mal de choses. Il va falloir qu'on déménage la base aussi avec Droopies. Donc voilà. Là on va avoir de quoi faire. Du coup, on va aller en bas. Ouais, par contre je pourrais pas être relié à ce système là. Ça va être vraiment un système à part. Ouais du coup on avait dit qu'il fallait du bronze. Et j'aurais plus tous mes crafts non plus. Voilà pour le sturdy casing. Et puis bah, j'amènerai les trucs manuellement je pense. Pour l'instant. Par contre si j'oublie de faire mes câbles alors que j'ai tout préparé, ça va évidemment pas le faire. Hein. Enfin, j'ai vu que Red Assassin m'avait suggéré aussi de faire le truc en wifi là, mais. Honnêtement ouais je sais pas. C'est vrai que ça pourrait être pratique plutôt que d'aller dans le terminal à chaque fois. Toujours est-il que voilà, pour l'instant. Ce n'est pas au programme. Est-ce que je peux le faire mon Carpenter? Encore du bronze. Là avec du bronze en plus c'est bon. Voilà j'ai mon Carpenter, parfait. Du coup ouais il fallait les câbles. Hop. On va prendre un stack, ça on va le ranger. Et on va pouvoir relier tout ça, je vais prendre de la dirt aussi. Pour pouvoir faire sa propre. Voilà.
Et puis je verrai pour les façades un peu plus tard. Pour l'instant. Ok, lui fonctionne, je voulais être sûr. Alors du coup foresterie, on va le faire là, je pense. Ici ce serait pas mal. En même temps le Tesseract il est là. Non, on va le faire là-haut. On va le faire là-haut. Parce que le Tesseract est étant ici. Ça va être compliqué. Normalement c'est là. C'est ici. On va le faire remonter. Du coup il me faut l'énergie et le système ME, on va le mettre juste à côté de toute façon. Donc là on va récupérer juste l'énergie. Hop. Ou alors je la récupère derrière. Pour me mettre là. Okay. Ça, ça peut être pas mal vers là. Pas très loin. Par contre je préfère utiliser la clé, c'est beaucoup plus safe. Voilà. Toujours chiant je trouve ces trucs d'Ender Zoo. Ça y est pas dans le mode pack infinity, je pense qu'il doit être désactivé dans le truc. C'est vrai que les trucs de terre au début je trouve ça marrant mais à la longue c'est un peu lourd quand même. Voilà, comme ça on sortira l'énergie là-haut. On va remettre la cobblestone. Je vais configurer correctement la sortie. Hop, là on va bouger proprement. Et en plus, ouais, le problème des mobs terre, c'est que... on récupère pas le bloc de terre en fait, tout simplement. Ah, donc là on extrait l'énergie. Ok. Ah oui c'est vrai que j'ai récupéré de la dirt en bas. Ça c'est cool, voilà. Là on a l'énergie qui arrive, du coup je pourrais mettre le système. Mon système applied en route. Qui arrive là. Bon, avec 5000 RF quand même, je pense qu'on devrait être tranquille normalement. Du coup, on va le mettre en vrac pour l'instant, voilà. Un energy acceptor avec un autre chest. Ah j'ai oublié le 1k truc. Ouais, en fait là l'avantage c'est qu'on a un terminal qui est là-haut. Ici on va mettre le... En fait j'avais même pas besoin du energy chest à proprement parler. Ok, là on a le terminal mais du coup je vais mettre le 1k que j'avais en rab. Normalement j'ai un k. Alors je pourrais pas stocker grand chose mais bon c'est surtout pour les types d'items, tout ce qui est bloc et tout ça on les stockera dans le SSD. Peut-être que je ferai un accès plus tard pour les trucs. Voilà, et là du coup j'ai mon interface, j'ai mon crafting ici. Et voilà. Et comme ça je pourrais mettre tout le bordel d'abeilles, de machin, de foresterie là-dedans. Alors par contre ouais je peux mettre que 1024 trucs. Tout ça. Oh quoique. Je pense pas en stocker tant que ça au final. Et j'ai oublié de prendre mon sac de couchage. Vas-y. Voilà, du coup on va faire nos ruches. Ouais. Ça on va le virer, ça on va le virer. Ça je mets de côté. La carpenter. J'avais le squeezer qui doit traîner quelque part. Ah non, je l'avais laissé brancher ici. Squeezer qui normalement m'a permis d'avoir masse. Là il y a une sortie. Ah oui, parce que je l'avais réglé pour l'eau. Et normalement je vais avoir des tanks. Voilà, avec du seed oil en masse. Donc ça pareil, on va le mettre dans le système ME de forestry. Du coup, il va falloir du bois. Voilà. Ouais je pense que ça va être trop juste les machins. Et je voulais prendre mon sac de couchage. Une bague. Voilà.
Donc je vais voir en off, mais je pense que je mettrai une cellule de 64K. De toute façon, j'en ai une dans mon système qui sert à rien. Donc du coup, autant j'enlèverai, je mettrai la 1K à la place. Parce que là, clairement, ouais, je vais manquer de trucs. Alors, je pense qu'une cellule suffit. 63 types, juste pour foresterie, j'en ai largement assez. Enfin, je pense. Au pire, je mettrai un drive, c'est vraiment ça. C'est vraiment un souci. Mais en tout cas, le 10 de 1K, c'est clair que ça suffira pas. Voilà, rien qu'avec tout ça déjà. Non, sur 63. Oh, oh ça va. Pour l'instant ça va. Mais bon, on n'a pas encore fini. Hein. Donc là maintenant on a besoin. Donc on avait dit voilà, le Carpenter. On va relier à l'énergie. Alors l'énergie on va la récupérer. Voilà. Hop. On va mettre le Carpenter ici. Ah, je peux pas. Super. Ah si, c'est bon. Le Carpenter ici. Et donc, avec le Carpenter... C'était pour faire les Hives, je crois. Non, pas les Hives, les... les Hives... les Combes, ou je sais pas quoi. Là, comment ça s'appelait déjà? Ah, je me rappelle plus. Comment ça s'appelait, les trucs? Ah, les Apiary, voilà. Il me fallait une Impredieten Casing, du Wood... Je crois qu'il y avait un truc aussi avec que des bûches. Bon, par contre, les... Eh, vous êtes trop doux, là. Oh. Non, mais... Dégage. Parce que là, on a Big House. Je sais pas ce que c'est la différence. Une Impregnated Casing qui est dans mon machin. De casing, des demi-dalles. De toute façon le bois j'ai ramené mais les prédiatètes je l'ai pas pris normalement. J'ai dû le laisser dedans. Mais il est où? Il est où? Zut alors je l'ai fait où? Bah. Ah non j'ai fait le... J'ai fait le Carpenter avec. Du coup on va faire du bronze. Je sais pas si j'en ai besoin d'autant, mais dans le but on va faire tout ça. Parce que là ouais du coup il me refaut un Impregnated Casing avec des demi-dalles et du bois standard. Donc on va prendre ça. On va l'amener là-bas. Au moins on a une utilité du bronze, c'est avec Forestry du coup. On a à prendre tous les jours. Alors là on va ranger ça. Ok, ça on va le ranger là et ça aussi. Voilà. Faut commencer à stocker un petit peu les trucs. Le squeezer on va le brancher. Bon, même si là j'en ai pas spécialement besoin pour l'instant. Et lui il me dit qu'il n'y a pas de... D'accord. Ah, il manque de ressources. Ah c'est bien ça, il me donne directement... Là il me dit qu'il y a storage 4000 RF. Ouais donc j'ai bien fait de mettre le câble à 5000 RF en tout cas. Du coup on va se faire la pierrerie. Alors la pierrerie il faut des planches et des demi-dalles. Voilà. Et on peut faire donc... je peux faire le sturdy... Le sturdy casing. Avec le carpenter, il me faut que du bois. Ok, que des bûches. Dans le carpenter. Voilà. Et là, on va en faire deux. Donc 16 du coup. Voilà. Et là, normalement, ça devrait marcher. Alors, il faut placer le craft comme ça. Et... No matching resize was found. Comment ça? C'est que avec du wood de forestry? Ah. On peut pas le faire avec du wood normal. Wood, wood. Pourtant il y a que du wood là. Ouais. Et comment on fait du coup pour faire les autres? Natura, extra vive.
Ouais, c'est bizarre ça. Le Oku ne fonctionne pas apparemment. Alors j'ai peut-être oublié un truc, non? Pourtant il me semblait que c'était comme ça. Et là il met rien. Ah, Seed Oil. Il faut du Seed Oil. Ok. Est-ce que si je mets un tank direct dans le machin, ça fonctionne? Voilà. Ah, je me disais quand même. Ça, je trouvais ça assez bizarre. Ok, donc il fallait du Seed Oil. Bah oui, ça paraît logique pour imprégner le bordel. Hop, on en fait un. Et on en fait deux. Parce que je vais faire deux hives, vu qu'on a deux abeilles. Signe de ressources. Voilà. Donc là, il nous dit que ça manque de ressources. C'est normal. Du coup, maintenant, on peut se faire les hives. Enfin, les apiaries, pardon. Enfin, il n'y a pas de table de craft là-dedans. Hop. Ah, il me manque une planche. Ça sera un problème en soi. Ok. Une deuxième. Voilà, donc là on a nos deux ruches. Et du coup on va pouvoir donc élever nos petites abeilles. Alors on va les mettre là pour l'instant. On va en mettre une ici et une ici. Voilà, donc là ça va être pour les abeilles des savanes. A savoir que chaque abeille, voilà, là. Bon là on n'a pas les détails puisque pour l'instant je les ai pas analysés. Mais en gros le principe c'est de mettre, comme je vous disais, donc on met une princesse et un drone qui vont créer une queen. Voilà, et là elle nous dit qu'il n'y a pas de fleurs. Et donc il faut le bee analyzer pour savoir quelles sont leurs flower préférences. Ouais, du coup, est-ce que je fais le bee analyzer? Allez, on va le faire. Pour vraiment attaquer, j'aimerais bien avoir, voilà, un premier système automatique. Et comme ça on va voir, alors le bee analyzer, on le fait avec un carpenter, tin ingot, redstone, diamant, redstone, du stain et de glace, okay. Rien de bien compliqué. Par contre c'est vrai qu'avec ça, je me demande si je vais pas quand même mettre un système wifi pour relier directement à ma base. Pour, parce que je sais qu'avec AE2 on a un système de wifi. Donc à voir. Alors il fallait du tin en masse, enfin en masse. Il fallait du tin en tout cas. De la redstone. Un diamant. Un diamant. Hop. Voilà. Et je crois que c'est tout. Ah, du stained glass. Est-ce que j'en ai du stained? Non. J'ai de la glace ou quoi? Oui. Oh, j'en ai un petit peu. J'en ai un bon peu. Hop. Glass pan. Est-ce que c'est bon ça? On va voir si ça marche. On va voir si ça marche, sinon il faudra que je prenne autre chose. Alors... En plus je sais même pas comment on le met le PML. Du coup là on enlève cette recette là. Donc là il nous dit no recycle. Ah ouais, mais là du coup il faut de l'eau. Faudrait que je récupère cette huile, mais comment on fait pour la récupérer? Ouais. Bah écoutez, je vais faire une petite ellipse parce que là on me harcèle au téléphone et je reviens. Voilà, je vous retrouve. Alors j'en ai profité pour faire un deuxième carpenter avec de l'eau, puisqu'on a vu que pour le truc il fallait de l'eau et les mobs continuent à se rebeller là. Là j'ai pas je vais faire une petite heure de pause, non même pas, un peu moins d'une heure au niveau de la coupure, mais toujours autant. Après c'est pas non plus flagrant, mais ça me fait un peu peur pour mon pauvre ordi. Alors quand je joue en solo j'ai pas ce souci là, enfin beaucoup moins en tout cas, mais voilà. Alors toujours est-il que on avait besoin de stain et glass, des tins de chaque côté et redstone et redstone. Redstone ici, le diamant là, le tin comme ça, et la stained glass. Normalement j'en avais bien fini. Bah, quel genre. Ah.
Ah non, j'ai du Castpan. Alors est-ce que ça fonctionne avec le Castpan? Oui. Ça fonctionne. Et donc là, il va prendre deux sauts normalement, si je dis pas de bêtises. Alors par contre, on va en faire qu'un seul, hein, de B-Analyzer. B-Analyzer. Je sais pas si c'est ça qu'il faut faire en fait. Mais bon, on verra bien. On verra bien ce que ça va donner. Ça marche toujours bien le. Normalement, il n'y a pas de raison. Ok, là, il m'en a fait un. On arrête le craft. Voilà, les dinos restent. Et vous voyez qu'il a consommé deux buckets d'eau. Alors, du coup, avec mon B-Analyzer. Qu'est-ce que je fais de beau avec ça? Ah, il faut que je mette l'abeille dedans. Alors. Donc là, on a vu que ici, voilà, il n'y a pas de fleurs. On va voir qu'est-ce qui l'intéresse comme fleur. Du coup, on prend le B-Analyzer, on met l'abeille dedans. Et. Ah, zut, il faut mettre un. Il faut mettre du miel, je crois. Eh ouais. Ouais, ouais. Bon, ce que je vais faire du coup, on verra pour terminer l'épisode, c'est que je vais juste lancer le truc en mettant des fleurs vanilla, on va prendre donc. Voilà, on a des fleurs jaunes là-bas. Est-ce que ces fleurs-là, si c'est bon. On va prendre deux violettes et deux jaunes. Non, c'est pas celle-là. Ah zut, c'est Botania ça. Non mais je veux pas du Botania, je veux du vanilla. Moi. Celle-là c'est quoi? C'est du Mystical aussi. Mystical Light Grey. Ah celle-là je peux. J'aurais bien aimé les fleurs jaunes et rouges. Enfin, le problème c'est que j'en ai pioché tellement sur mes graines. Ah là il y en a. Voilà, Minecraft, ça c'est Botania, on comprend pas. Ok bon on va se contenter de ça. Je vais les poser autour de la ruche. Et normalement ça devrait fonctionner. Et on leur amène une petite animation. Intéressant. Alors ce que je vais faire c'est que je calme. Ah zut, il a décidé de m'embêter. Voilà. Ok. Il a pas envie visiblement, tant pis. On va faire ça à la main. Je pensais utiliser SO2 en fait pour enlever toutes les pousses, mais vous voyez, il veut pas. Ah voilà, c'est ça que je voulais faire. C'est quand même plus efficace, il faut le dire, hein. il faut y croire, on va mettre le là-dedans. Et du coup, on va planter donc les fleurs de Minecraft, et normalement ça devrait fonctionner. Donc celle-là on s'en fiche, c'est pas bien, on va quand même les planter, mais en soi, hein, pas spécialement en soi. Alors, celle-là au milieu, et les violettes, par là. Et là normalement ça devrait marcher non? I remember the not finding the right flower. Ah oui mais le B-Analyzer il me faut du miel et pour avoir du miel. Pour avoir du miel. Alors c'est peut-être le temps que ça se mette à jour parce que normalement. Ça c'est pas, ça s'en fout. C'est pas les mêmes trucs. Là, Honey Drop, il faut une centrifuge sur les silicombes. Ah, je peux peut-être en avoir avec les combes que j'avais récupérées. Il me faut une centrifuge du coup pour, voilà, pour avec les parchets de combes. Il y a peut-être moyen que j'en récupère. Et puis, parce que là, ouais, normalement, on voit une espèce d'animation. Visiblement, ça a pas l'air d'être les bonnes fleurs. Hein. Pourtant, j'ai mis tout ce qu'il fallait, mais c'est assez bizarre. Du coup, on va faire une centrifuge. Donc, on va aller voir pour la centrifuge. On va peut-être encore les carpenters, mais... alors, centrifuge... Donc, il y a la dernière machine dont on aura besoin pour, du moins pour cet épisode. Donc, c'est celle-ci. Avec du copper, encore un sturdy casing. Donc là, il faut encore du truc. Hop, un sturdy casing et avec deux vitres et un et du copper. Voilà. On a notre truc. Je vais le mettre sur le. C'est vrai que j'empile un peu les trucs là, mais au moins voilà, j'économise un peu d'espace. Je verrai plus tard comment aménager ça.
toute façon, comme je disais, voilà, on va déménager la base par la suite. Et de toute façon, voilà, on n'utilisera pas les ruches standards. Là, c'est vraiment pour le début, pour commencer à produire des choses avec les abeilles. Sachant que voilà, c'est quand même très long, hein, vous allez voir de toute façon une fois que le truc sera en route. Alors avec la centrifuge, donc on fait les... On met les combes dedans et normalement il devrait me sortir du miel là. Voilà, il me sort que ça en plus. Oh, des drops. Ah, j'ai du bisou, ça c'est bien. Ok. Du coup, on va reprendre notre petite abeille. Et on va l'analyser. Alors, on la met ici. On prend un petit miel ici. Et il nous dit quoi? Flower type cactus. Ah. Fertility x2. Lifespan short. En gros, elle vit pas longtemps. Et elle produit peu. En tout cas, il nous faut du cactus. Ok. Donc, on va lui mettre du cactus. Du coup, on va aller chercher ça. Pas très loin, parce qu'il y a un désert dans le secteur. Et j'ai du sable en plus qui est juste à côté. Pour pouvoir récupérer. Alors, le cactus, on va là. Là ça marche. Cactus vanilla avec le petit sac qui va avec. Alors hop. Et on va en mettre même deux. Tant qu'à faire. Vraiment pratique ce jetpack en tout cas pour. Ça fait quand même gagner du temps pour mieux circuler. Alors, si je le mets, bah du coup on va le mettre à la place de celui-là. Je sais pas s'il faut que ce soit directement collé au truc. Ou si là ça va fonctionner. Ah ça là. Attends. Flower. Si c'est bon. On voit ici. Vous voyez les petites abeilles qui se. Voilà, là on voit que ça y est, ça fonctionne. Alors elle a pas l'air de vouloir par contre. Hein. Cactus, dune et nocturne. Donc elle fonctionne grâce au cactus. Mais malheureusement, elle, ça marche pas aussi. C'est bizarre, pourtant c'est pas les. C'est deux modestes, mais elle c'est ignoble et l'autre c'est pristine. Okay. Bah du coup on va l'analyser, on va voir qu'est-ce qu'elle veut. Ça étonnant, mais pourquoi pas. Et elle veut... Bah si, pourtant elle veut du cactus. Voilà, on est peut-être obligé de les analyser, non? Ah bah là, ça fonctionne. Ok, bon. En tout cas, voilà, elle fonctionne. Donc pendant les deux jours, voilà, là on les voit qui travaillent. Hein, si vous pouvez voir les petites... si on regarde de près, voilà, on voit les petites abeilles qui vont... qui partent butiner. Et donc ici... On a la barre de vie de la queen et une fois qu'elle aura atteint 0, on aura des princesses et des... donc tout apparaîtra ici, on aura des princesses et des servantes qu'on pourra fusionner donc pour faire les... pour refaire une des nouvelles queens. Vous voyez là la barre qui descend. Et ici on aura des trucs en plus, par exemple les espèces de cellules là qu'on avait avec lesquelles j'ai fait du miel qui permettront d'avoir des beeswax, des honey drops et bien d'autres choses alors. Après on peut, avec ces abeilles là on peut tout faire, enfin pas ce type d'abeilles en particulier, mais avec les abeilles on peut vraiment tout faire justement. La base c'est ça, mais après on peut faire des mutations pour justement leur permettre d'être plus efficace. Et là, what the... Ouh, il y a eu un problème de chunk ou je sais quoi, comment ça se fait que j'ai manqué des trucs, j'ai même plus ce que c'était qu'il y avait là en plus. Alors que je vois ça. Ouais, il y a eu un souci. Il y a un souci là. Là on a les Wither. Là on a les slimes. Là je sais plus ce qu'il y avait. Le soufre, le machin. Les Blaze Rod, je les ai ou pas? Oui. Ouais, bah du coup j'avais quoi là? Je regarderai dans les épisodes d'avant au pire. C'est bizarre quand même que ce soit comme ça. Ah c'est pas les vaches. Slime, je sais plus. Nickel. Kosu, non, elle est là, la Kosu. C'est les ghasts. C'est pour les larmes de gaz, ouais. C'est pour les larmes de gaz. Bon, c'est pas très grave, parce que je les ai avec Ex Nihilo. Toujours est-il que, voilà, on a nos petites ruches qui travaillent. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Bon, finalement, il aura quand même été relativement long. J'espère que celui-ci vous aura plu. Dans le prochain épisode, bah, on essaiera de... J'essaierai de voir comment choper des roquilles... des roquilles machin, parce que là, j'ai juste une roquille princesse. Ou alors peut-être que je pourrais la combiner avec d'autres. En fait l'avantage des Rockies c'est qu'il suffit de les poser à côté de stone. Je les pose à côté d'une stone et elles vont fonctionner. Et après on pourra justement fusionner les autres abeilles afin d'avoir les items qu'on veut. Fusionner avec les Rockies pour qu'elles se nourrissent de rochers.
Et je pourrais faire une ferme à abeilles comme ceci. Ou alors avec des fleurs ou des cactus, peu importe. C'est vrai que les cactus c'est quand même assez dangereux. Je pense pas garder le truc des cactus. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Allez, bye.